Hey, 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 et welcome tout le monde, et bienvenue pour ce nouvel épisode de le Glitter Beauty Challenge. Ouais, j'avais envie. Alors, c'est donc la suite du challenge. Nous débutons une nouvelle journée. Oups, mais c'est vrai, une glitch. Ouais, alors, stop. Hein? Bon, alors, Daria va commencer son nouveau boulot. Le relay est morte l'épisode précédent. Cybelle et Louis vont avoir des enfants très bientôt. Bref, c'est un peu encore, encore le dawa. Alors, le travail de... Qu'aimeriez-vous faire? Aller au travail, travailler à la maison, prendre des congés... Non, bah... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Parler à un vendeur de stand de nourriture, marcher des épices, écrire pendant 2 heures. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais tant pis. Bon, je voulais l'envoyer au boulot, mais c'est pas grave. Célébrer l'anniversaire d'Enguerrand. Alors, Enguerrand. Enguerrand, t'es toujours triste parce que t'as vu ta maman mourir. Tu vas faire tout ça. Hein? Comme ça, tu seras en meilleure forme. Si tu clignotes pas encore, il clignote pas encore. Donc, il va aller au collège ou au lycée, j'en sais rien. Là. Au lycée, peut-être, sûrement. Et quand tu rentres, mon petit garçon, tu pourras... fêter ton anniversaire. Ouais, voilà. Il est tristoun, hein. C'est le seul de la famille qui a vu sa maman mourir. Et qui la regrette. Les autres n'ont rien à battre. Sauf que c'est magnifique. Toi aussi, t'es en sale état quand même, hein. Tu dors, c'est cool. Tu vas prendre une douche, tu vas aller aux toilettes. Tu vas manger. Et ce que tu vas faire, c'est faire ton truc là, à écrire. S'entraîner à écrire. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et ouais, bah tant pis, hein, je voulais l'envoyer bosser, mais c'est pas possible. Lui, comme ça, il ira en cours après. C'est-à-dire qu'en fait, on va très vite se retrouver à deux parents plus les enfants. Donc ça va, ouais, ça va être chaud à gérer. Parce que comme je vais, dès que lui, il va partir quoi en fait, il va être adulte et je vais les emmener, Daria et lui, ils vont aller faire une coloc quelque part dans le monde. Et puis voilà, c'est la vie. Et hey, enceinte, troisième trimestre, accouchement dans... accouchement dans moins de 24 heures Sims, hein, c'est-à-dire le samedi matin. Oh, ce bide. C'est pas possible. Oh my god, elle est énorme. Je sais, je l'ai déjà dit, mais là, franchement, quoi, c'est énorme. Alors, tu vas remplir la gamelle. Voilà, tu vas donner à manger à Coco. Tu vas manger aussi tout court. Il n'y a peut-être plus rien à manger, je sais pas. Manger un repas rapide. Bah non, bah alors, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas cuisiner, tu vas faire de la salade. Parce que, comme je sais pas, t'as pas des compétences, toi. Ah, quand même. Tu vas manger une petite salade toute fraîche. Regardez-moi cette petite famille. Ah, un gros contour. Je m'en fous. Alors là, je m'en fous. Gain de performance, mais c'est cool. Oh là là. Oui, donc je vous dis la petite famille entre la future maman, le futur papa et le petit chien. Hurler sur, féliciter. Demander d'aller faire ses besoins, bah oui. Et caresser. Ah mince! J'étais avec Louis. Moi, je voulais faire ça avec... Cybelle, bien sûr. Par contre, elle est sérieusement en chaleur, hein, cocotte. Hein. Enfin, coco, pas cocotte. J'ai hâte qu'elle accouche, quand même. Faire un câlin et demander d'aller faire ses besoins. J'aimerais tellement Coco et un bébé, mais bon, on peut toujours rêver. Toi, après, t'iras aux toilettes aussi. Nous avons Enguerrand qui clignote. Enguerrand qui clignote. Enguerrand qui clignote. Tu vas cuisiner un gâteau tout au souhait. Et dès qu'il rentre, on le fait vieillir. Et puis, ce sera tipar pour la vie, quoi. En plus, il rentre dans pas longtemps, vu qu'il est déjà 13h Sims. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Troll téléphone, mais non. Toi, tu vas aller... tu sais pas quoi faire, en fait, de ta vie, mon petit...
Tu vas y pêcher. Allez hop, tu pêches. Veux-tu venir à ma truc de l'anniversaire? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis donc. Ouais, Daria. Derrière, 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 elle fait le petit gâteau au chocolat. Bon, ça, je le mets là au cas où quelqu'un voudrait en manger. C'est parfait. Voilà! Le gâteau est prêt! Nous n'attendons plus que Enguerrand pour valider tout ça, quoi. Et j'ai demandé. Oh, lui, il est pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Odeur de moufette! Raison, proximité d'un animal qui s'est fait asperger par une moufette. Et quoi? J'ai pas tout suivi. Il y a des moufettes dans les Sims? T'as pêché des trucs? T'as rien pêché, dis donc. Bref, ça va passer, mon petit. Oh, des chachas! Tiens, nous avons Pissi. Et Burger. Oh là là, si je pouvais, je les adopterais tous. Hein. Bref, ça va passer, hein, Louis, t'inquiète. Donc je voulais, j'avais normalement demandé à Cybelle d'envoyer. Oh, 77! D'envoyer notre amie Petite Coco aller se reproduire là, mais. Encourager à s'accoupler avec Kudos, tiens. Parce que là, elle a ses chaleurs, donc faut en profiter. Tiens, tu vas me manger une fraise encore. Une fraise ou deux, ça te fera du bien. Parce que nous, on veut des enfants, on veut des filles. Des filles par milliers, par millions. Ah oui? Wouhouhou! Allez! Va t'accoupler, Kudos, là, dépêche-toi. Hop! Parce qu'elle y va pas, hein. Après je sais pas où il est le chien, j'avoue que là, il doit être... Il doit être là-dedans, là, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, ici. Peut-être ici. Oh, il y a des chats et tout. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Ah, et lui... Ah, mais il est rentré! Oh, punaise, attendez là. Je suis... Je sais plus, d'accord. Pourquoi toi t'as ton téléphone qui sonne Ah non, c'est le coup du directeur. Pourquoi il n'y a plus de bougies? C'est quoi le délire? Tu vas souffler tes bougies en guérant, tu vieillis et comme ça on a la paix. Vous allez vous barrer de là. Dans le prochain épisode, ils seront plus là. Profitez-en si vous les aimiez. Enfin, Enguerrand, je vais pas le regretter, hein, parce que franchement, c'est loin d'être le plus beau mec du monde. Hein. Alors, nous avions dit qu'il était quoi? Chef de bande, sociable. Il est sang chaud, amoureux des chiens. Alors, et s'il est. Bon, on va le mettre bienveillant. Parce que s'il est sociable, ça peut être sympa. Voilà. Et voilà! Youhou! Tu es grand, tu es un homme, tiens, tu vas être lavé, tu vas l'épicer. Et puis on va te trouver un job aussi, hein, tant qu'à faire. Donc j'ai dit quoi? Sans chaud, bienveillant, moi des chiens et sociable. Ouais, on va te choisir un job. Je ne sais pas quoi encore. Cybèle, bah tu vas finir ton bouquin. Reprendre l'écriture de Blaise le Blaireau. Parce que bon, maintenant que Lorelai nous a quittés, on a besoin de revenus. Et sans revenus, on peut pas vivre. Voilà. Alors, pour Enguerrand. Pour Enguerrand, j'ai envie de dire, j'aimerais bien être athlète, ça l'obligerait à se muscler, mais en vrai, je sais pas. Allez, politique. Encore une nouvelle carrière que je ne saurais pas ce qu'il fait. Alors, je sais pas, et lui est parti voir ce qui se passe, mais je sais pas de quoi il parle. Ouais, voilà, accepte ta mission. Mais qu'est-ce que tu fais, gars? Je t'ai dit d'aller pêcher, moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe où? Ouais, bon, d'accord, hein. C'est ce qui s'appelle un fail. Merci, Louis. Oh yeah! Cybèle a terminé le livre. Donc, on va pouvoir auto-publier Blaise le Blaireau. Festival des épices. Ah, c'est ça! Daria, elle doit y aller. Eh ben, on va y aller. On va y aller avec Louis.
Parce que lui, il doit aller pêcher dans d'autres endroits. Donc on va en profiter et je pense qu'il doit y avoir de l'eau par là. On verra bien. Gazouiller au bord de l'eau. C'est l'happy hour. Ok, super. Ben elle doit faire quoi? Alors, excusez-moi, je fais faire pause. Elle doit parler à un vendeur de sang de nourriture du marché des épices. Donc le marché des épices, c'est ici. Attends, c'est parler à un vendeur, hein, c'est pas acheter. Alors, qui c'est qu'on va choisir? Oh, allez, toi. Acheter une belle présentation amicale. Plus de choix. Non, c'est bon, tu vas déjà lui parler. Et toi? Oh là là, qui c'est qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas chanter, mon gars? Ah, c'est Aram! Bah oui, c'est Aram, dis donc. Alors, est-ce qu'il y a nulle part pour pêcher ici? Ah, bah zut, flûte de mince. J'ai pas pris le bon truc. Bon, alors, dans ce cas-là, il pourrait rentrer chez lui, hein. C'est hyper sympa avec les routes et tout, bref. Ici, on se croirait à Paris et tout. Ouais, c'est trop bien. Ok, bon, bah c'est nul en fait. Hein? J'ai voulu faire venir pour pêcher ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Curry des concours des festivals d'épices. Bah il a faim. Tenter les défis du curry épicé. J'espère que juste qu'il va pas mourir, quoi. Alors je suis jamais venue au marché des épices. Hein. Isabelle. Non. Je suis jamais venue au truc des épices, là. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais qu'on peut mourir juste du machin du fugu, là, mais c'est peut-être pas au marché des épices. Bon, tu te pointes et toi? Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Discuter de cuisine locale. Faire connaissance. Parler à un vendeur. Acheter. Allez, moi, et parler à un vendeur. Ça, on a nourriture. Ah, mais ils vendent pas de nourriture! Je suis con, moi! C'est à lui qu'il faut parler, alors. Non, mais vas-y, parle-lui pas à l'autre, on s'en fout. Toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu. Je vais au festival pour goûter la soupe faux. Bah, j'y suis déjà, en fait. Apparemment, Louis n'a pas l'habitude de manger de la nourriture épicée comme plat. Ah! Le plat du défi. Avec le temps de la pratique, il pourra manger des plats épicés. A échoué au défi. Ah mince, on a raté! Est-ce qu'il a craché du feu? Qu'est-ce qu'il est bégé? Ah, ouah! T'as pas réussi à. Bah, je sais pas. Pour tenter, non? Vas-y. Fais-moi voir. En même temps, il a mangé. Oh, attendez, là, je me perds. Bah, il mange. Discuter avec Evie. Il a pas l'air de. Ouais, je sais pas. Bon, alors, on va reprendre avec Daria, là, qui discute avec son vendeur. Alors. On va regarder les ragoûts. Conversation profonde. C'est toujours pas pris en compte. Ah, il a fermé son stand! Non, mais c'est pas possible! Ah, bon, bah, tu vas discuter avec tout le monde, hein, j'en sais rien, moi. Parce que là, ils vendent tous de la bouffe, on est d'accord. Allez, ok, vas-y, zou. Faut que tu discutes là, sinon tu vas te. Oh, elle est déjà performance excellente, elle a pas fait grand-chose, hein. Alors, Louis, comment ça va le plat? Ça sent bon. Mais, ok. Apparemment, il participe à terminer le concours de curry à l'agonie. Langue brûlée. D'accord. Méchanceté réjouissante. T'es méchant, tu fais exprès Daria, est-ce que tu parles aux gens qui vendent à manger? Discuter de la cuisine locale. Louis a survécu au plus épicé des plats épicés. Désormais, il se vantait d'être champion de curry. Il a également gagné un fantastique nouveau t-shirt. Bah, ça, c'est beaucoup de chance, dis donc. Mais ils ont tous fermé leur truc, c'est une blague. Mais non, lui. Parler de la cuisine locale. Faire connaissance. Moi, je sais pas. Ah, si, ça y est! Ça y est, ça y est, ça y est.
Ça y est. Ok, on a rempli le truc. Lui, il a mangé. Oh punaise, il y en a qui dégobillent comme ça et tout. Non mais, non quoi, c'est dégueulasse. Bon, bah voilà. Il est mature. Ah bah, il est mature comme toi. Vas-y, complimenter l'apparence. Ouais, vous pourrez bien vous entendre. Ça pourrait être ton mec. Vas-y, drague-le. Ah, c'est une personne âgée. Oh, c'est pas grave. Se renseigner sur la carrière. Bon, voilà, voilà. Non, mais on s'en fiche. Et il est 20h. Ouais, on va peut-être rentrer. Mais, ça, là, elle arrête pas de dégueuler. C'est dégueulasse. Oh, mais c'est dégueu. Lui, il peut commander un verre. D'accord. T'as la belle fille, quand même, Louis. Ah, oh, il a mis son t-shirt. Haha, excellent. Excellent. Alors, tu le dragouilles ou tu le dragouilles pas? Vas-y, complimente l'apparence. T'es beau. Parce qu'en fait, ils ont le même trait, alors ça pourrait être sympa. Alors, mais bon, il est vieux. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, elle fera sa vie si elle veut. Ah, bah ça marche en plus. Bah, il se fait draguer par... par une petite jeune, donc forcément ça peut que fonctionner. Bon, bah allez, on va pas tarder non plus parce que, hein, on a notre femme qui est sur le point d'exploser d'enceintement, de grossesse. Donc on va rentrer. Et toi aussi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, d'accord. Non, allez, tu commandes rien du tout là, tu nous fais perdre de l'argent. Et on rentre aussi, voilà. Allez, zouf, rintintin, zouf. Well, nous sommes reviendus. Bon, bah toi, tu vas manger. Cybèle, comment vas-tu? Ça a l'air d'aller. Tu sais ce que tu fais, Cybèlouche? Ah, tu n'as pas publié ton truc. Bah, tu vas le publier maintenant. Qu'on ne perde pas les 3 dollars et 3 simflous qu'on va récolter demain, quoi. Non, tu vas rien faire, hein. Tu... poisson combattant... Bah du coup, c'est vrai que t'avais pas... on n'avait pas pu refaire... Ah, je m'embrouille. On n'avait pas pu pêcher là où on voulait. Enguerrand, il va encore pas trop bien. Dans 3 heures, il a oublié qu'il avait une mère. Et il a oublié qu'elle est morte devant ses yeux. Cybèle, on est ok. Oh, je suis mignon. Ok, un petit rouf. Tu vas peut-être améliorer ta relation avec Coco. Comme ça, on pourra avancer dans ton aspiration. Si y a... Après, c'est pas le but, hein, mais ça peut être sympa parce que c'est une aspiration qui est encore nouvelle. Puisque, ben voilà, c'est du pack chien et chat, quoi. Bon alors, nous avons nos grands-enfants qui sont partis se coucher. Tu vas illuminer la journée de ta femme. Complimenter. Tu vas lui embrasser les mains. Oui, parce qu'elle est occupée avec la chienne. Murmurer suavement. Non, tu n'as pas de peine de ta vie amoureuse, non. Oh, mais regardez-moi ça! Mais c'est horrible! Elle a des ins. Non, mais il y en a combien là-dedans? Il y a combien d'enfants? Combien d'enfants? Je vous le demande, moi. On va en avoir plein d'enfants, c'est magnifique. C'est beau quand même, la vie, hein. La vie des Sims, c'est tellement facile d'avoir des enfants. Mais là, c'est bon, j'ai au moins des jumeaux. Je me demande s'il n'y en a pas 3 à force. Après, on est 5, donc il y a encore 3. Il y a 3 places disponibles maintenant dans la maison. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas du tout? Bon, les amoureux font des mamours. Et bah, on va finir l'épisode sur un crac-crac, bien sûr, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Parce que moi, je veux être sûre. Franchement, vous devez en avoir marre de m'entendre dire ça, mais je veux plusieurs bébés. Mais c'est sûr, hein? C'est sûr qu'il y en aura plusieurs. C'est comment elle est obèse? Elle est obèse de grossesse. Et puis voilà quoi. Et regardez, il est minuit 30. À 8h du matin, Sims, elle accouche quoi.
donc c'est bientôt la révélation. Bientôt la révélation, et aussi, ben, ces deux jeunes gens vont nous quitter. Donc, prochain épisode, nous aurons deux Sims en moins dans la maison, et sûrement deux Sims en plus, grâce au bébé. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis au prochain épisode. Allez, salut!